Santo Domingo, encore des naîtres d'heure. Hello Chiquita, comment est-ce? Today we playing Cyberpunk. We have finished the game. On a fini le jeu il y a 2-3 hier, ce matin. Bizarrement, j'ai eu le succès, mais il a disparu de finir le jeu. Je vous avouerai que je suis un peu dans le seum. Donc on va juste faire une petite sauvegarde manuelle sur la partie où sur la sauvegarde automatique pour éviter de la perdre. Vu que là je vais faire les quêtes secondaires, je vais sûrement la perdre, donc on va faire une petite sauvegarde, hop. On va faire hop, voilà. Maintenant je vais pouvoir prendre la game tranquille. Parce que si jamais je vais play et faire des quêtes secondaires et autres, il est possible que les sauvegardes automatiques écrasent la sauvegarde qui a le fin game quoi. Comme ça, je peux toujours avoir le succès, parce que je vous avoue que je suis un peu deg. So, maintenant, il nous reste plein de quêtes à faire. Ouais, on a fini le jeu, mais il nous reste tout plein de trucs à faire. Vous le voyez là. On va commencer par tous les contrats, avec les crimes signalés. Sinon, nous avons débloqué une petite veste, la veste de Aldecados. Qui est juste magnifique. Et qui, en tant que représentant des Alcadados, j'arrive pas à dire le nom, je vais la garder sur moi. Sinon la campagne était juste dingue, incroyable, magistrale, manuelle, monstrueuse. J'ai surkiffé l'histoire. Par contre un peu courte hein, l'histoire principale hein. Je me suis pas avoir fait autant de quêtes principales que ça hein. J'ai principalement enchaîné les quêtes secondaires hein. Donc si jamais vous êtes quelqu'un qui est habitué à foncer sur la campagne, j'imagine même pas la fin que vous pourriez avoir au niveau du jeu quoi. Étant donné que la fin que j'ai eu, la fin famille, je l'ai eu vu que je faisais beaucoup de quêtes secondaires, vu que c'était des quêtes secondaires, la quête des Aldecados. T'as oublié de me cracher. Eh ben. Fais. Cette fois, j'ai besoin que tu rétablisses l'équilibre naturel de cette ville. Un Valentino a descendu un flic et échappé à la justice. Tu peux faire en sorte que ça change. Si pas de soucis, man. Tu protèges ce type. Je te donnerai un bonus. Détail un peu chi. Ah, par contre, parfois le power-up il se déclenche vraiment pour rien. Bon, hein? Ah,
Oh, damn! Ça fait peur l'enfoiré. Entre-toi. C'est quoi ça? Tu vois les deux choses qui vont pas ensemble? Non, dis-moi. Indice 1, Militech. Indice 2, les Valentinos. Eh, bien, game, bien, je vous le dis.
C'était José, le gars que j'ai tué en haut ? Ok. C'est fait. Je me suis occupé de Rossé. La voiture arrive. Tu sais qui lui a permis de s'en sortir après avoir tué ce flic. Arasaka. Arasaka. Tu dis qu'Imegacorp est impliqué dans le meurtre d'un simple flic. La mort de Geoffrey, c'est un accident. Ils ont couvert Rossé pour une autre raison. Continue, je t'écoute. Ses potes et lui ont été engagés pour attaquer un complexe d'Arasaka. En utilisant l'équipement de Militech. Attaquer Arasaka. Pour le compte d'Arasaka. Merde. Tu dois vite te tirer de là. T'en sais plus que tu le dis. Allez, raconte. C'est juste une supposition, mais... Accouche. C'est presque sûr qu'Arasaka cherche l'affrontement avec Militech. Peut-être même une guerre ouverte. Et l'attaque de Rossé devait leur servir de prétexte ? C'est plutôt mince, non ? Il s'agit pas que de Rossé. On m'a parlé d'autres cas, semblables. Beaucoup de gens sont impliqués, V. Pourquoi déclencher une guerre ? Ils se sont pas encore remis de la dernière. Une guerre est le meilleur des écrans de fumée. Ils ont peut-être besoin de détourner l'attention. Je suis même pas sûr de vouloir le savoir. Et toi, Padre ? Pas cette fois-ci, non. Je n'ai aucun bilan dans cette affaire. À la prochaine, V. Ouais, à la prochaine.
Oh. On va acheter toutes les maisons. J'ai élucidé le mystère ébonique. J'ai fait le tour de mes contacts. Un de mes vieux tchoums a tilté sur le nom de Grayson. Il a fait des recherches. Recherches qui l'ont mené vers une section des quais en territoire Maelstrom. Alors t'as trouvé Grayson? Il peut vraiment nous mener à Smasher? Viens me voir à l'Afterlife. On en discutera. Ok. Thank you.
Petit B, j'ai besoin que tu ailles récupérer quelque chose pour moi dans un repère des Tiger Claws. Je sais que tu en es capable. Je joins les informations. Lis-les attentivement. Pas de vivre.
On vient de me confirmer que l'éclat de Vortex était en chemin. Tu ne m'as pas déçu, V. Ça mérite une récompense. Je boucle le contrat et je te transfère ta part. Salut V, écoute ça. Sur le net, il y a un site qui s'acharne à dénigrer le maire, Weldon Holt, enfin maire par intérim. Mais il est candidat aux prochaines élections, si j'ai bien compris. Oh, la politique. Balancer sans arrêt la merde à la gueule de l'autre, pas vrai? Bref, mon client veut voir ce site disparaître dans les limbes du cyberespace. Mat le briefing pour plus d'infos. Thank you.
de chargeur. Une seconde. Entrez pour qu'on discute un peu. Thank you.
Oh putain. J'ai besoin de votre aide. Même endroit que la dernière fois. Ne me faites pas attendre. Qu'est-ce qui vous arrive? Allô? Lydie? Merde. Je suis désolé, moi j'ai Lydie, mais tu vas beaucoup attendre parce que là, je suis pas du tout dans laquelle. Il était un petit navire. Il était un petit navire qui n'avait jamais... navigué. Olé, olé.
est là. Il n'avait jamais navigué, jamais navigué. Ohé, ohé. Oh bâtard. Ils ont vraiment cette musique là dans leur playlist, les bâtards. Je pleure. Chut. Au revoir, musique. Vous m'avez sauvé la peau. Je sais pas comment vous remercier. Je m'attarderai pas trop dans le coin à ta place. Les Six Street vont tout faire pour retrouver ce bijou. Je quitte la ville aujourd'hui. Comme dit toujours oncle Esteves, si tu dois choisir entre ta caisse et sauver le cul d'un autre, choisis toujours la caisse. Une caisse, tu sais au moins qu'elle te trahira jamais. Les gens, en revanche...
Je vais pas te mentir, V. J'ai un sale boulot à te confier. Par sale, je veux dire... C'est politique. Il faut que tu récupères des docs compromettant son Javier Alvarado, le conseiller du maire. D'après mes infos, tu les trouveras dans le bureau du El Pinche Pollo. Reste tenu. Savoir plus, jette un œil à la pièce soir. Je me casserai d'ici.
Thank you.
Tu vas chercher le kebab? T'es pas chaud? Je suis un hacker de génie. Tu me portes là-bas? Tu me portes là-bas? Oh, d'accord. Bah alors pas tout de suite, j'ai la flemme de bouger pour le moment. Je sais pas.
Putain. Bon, on peut toujours pas crafter du truc légendaire. Ah si, on a assez, parfait. On va passer mes power-up en légendaire. Contagion légendaire, surchauffe légendaire. Voilà. Et le prochain, ce sera court-circuit. Court-circuit, il manque ça. Ok.
Bonjour, V. Il y a un homme qui doit faire face à la justice. C'est une affaire personnelle. Je te paierai en bonus. Despacito. Ok, on va l'améliorer tout de suite. Hop, haute tension améliorée, maintenant c'est verticose, let's go.
détail en PG. Merde, j'ai pas assez de force. On est samedi aujourd'hui?
Me revois livre au Valou. Comment allez-vous? Eh ben... Vas-y, on va faire le combat. À aider un autre homme à se délester d'une partie de ses biens matériels. Au clair, il faut que tu voles la guitare de Gary Urodine. C'est un boulot tout simple qui paye bien. Plus d'infos en PJ. J'attends de tes nouvelles.
J'attends une amie. Ohé, pars-toi. Pas un pas de plus. Quoi ça? Arrête de... Sûrement une de mes... Un plan premium, ça? Mon cul, ouais! Il va me tuer! Je l'ai eu! Il a son compte! Bon, comment je fais la carte de... La carte passe pas tout, parce que je l'ai pas du coup. Get away, petit chien! Badalo, c'est Kai, wow! Pas tard à m'arrêter. Faut faire une pause de Cyberpunk. J'aime bien faire les fins alternatives 26 jours, les gars, ne vous inquiétez pas. Mais je pense pas que je vais trop tryhard aujourd'hui Cyberpunk. C'est malheureux, mais il faut bien changer un peu de jeu, respirer, changer d'air. C'est un excellent jeu Cyberpunk, mais. Je me vois pas encore jouer toute une journée aujourd'hui dessus, sachant que ça fait 2 jours dessus que je joue toute la journée à Cyberpunk. Donc je fais la quête là, je fais mon petit combat de boxe et après on s'arrête là. J'ai un client qui cherche à aider un autre homme à se délester d'une partie de ses biens matériels. Au clair, il faut que tu voles la guitare des gains. C'est un boulot tout simple qui paye bien. Plus d'infos en PJ. J'attends de tes nouvelles. Et qu'il veut rien par-ci, et Eurodyne par-là, et que ça te dure des heures. Ah mais t'exagères pas.
Non. Ah, ça je l'ai fait. Oula.
Et on va faire le combat de boxe. One shot!
Ok, it's time to finish the live stream. Merci les gens d'avoir regardé le live. Je vous dis bye bye et on se retrouve la prochaine fois.